Dans les anniversaires de la semaine, la suite avec Mozart. On s'était quitté avec Amadeus et on se retrouve avec Julie Fuchs, Boccherini. Au revoir les Verseaux, bonjour les Poissons. Il n'y a pas que le menuet dans la vie, il y a aussi le Stabat Mater avec la grande soprano. Bon anniversaire donc à Boccherini et aussi bien sûr Nicolas Copernic. Hier c'était Galilée, vous voyez un petit peu. Et puis deux grands réalisateurs, John Frankenheimer et Jacques Doré. Il ne faut pas oublier bien sûr le poète André Breton ou le sculpteur Brancusi, la sympathique Rick Hazaray, Jeff Daniels, Seal ou Benicio del Toro notamment. Allez, tous les chemins mènent à Belmondo. Avec Alain Delon, c'est bien sûr Borsalino avec la musique de Claude Bolling. Bon anniversaire aux natifs et natives du 20 février. Et on a comment ne pas rendre hommage à Sidney Poitier et puis Hubert de Givenchy, le grand écrivain Pierre Boulle, Robert Altman ou Claude Miller, Carlos, Georges Bernanos, bien sûr, dans les anniversaires historiques, Kurt Cobain, Richard Benmer, vu dans West Side Story, ou Twin Peaks, Richard Cocciante, notamment dans les anniversaires. Et puis Lily Taylor et Lorraine Ambrose, qu'on adore dans Six Feet Under, à pas mettre entre toutes les mains, mais on vous recommande. Et puis Fred Testo, allez hop, ça suit ensuite ici. Ça se passe de commentaires. Le grand Sidney Poitier, et bravo à TCM pour ce bel hommage. Et vous êtes toujours là à nous suivre, merci. Depuis le début de l'année, Gérald Olga, c'est en mode hebdomadaire. Bon anniversaire aux natifs et natives du 21 février avec Raymond Queneau et Sacha Guitry, ainsi que Alan Rickman, Nina Simone, Christian Vander, Laurent Petit-Guillaume notamment, Audrey Pulvar ou Mélanie Laurent. Allez, Sacha Guitry, ça donne quoi? Quand je veux leur porter bonheur, oui, quand ils me sont très sympathiques. Eh oui, très sympathique, ne me quitte pas, c'est Nina Simone. Et nous, on va se quitter avec un dernier au revoir à John Williams, Star Wars. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.